Coucou tout le monde, on est reparti sur des Hydroneer et j'ai plein d'idées encore pour cet épisode. Donc déjà j'aimerais améliorer le garage, vous m'avez demandé de faire des places de parking, tout cela, donc je vais essayer de mettre le tout en place. Je vais déjà faire passer la tuyauterie sous le sol pour pouvoir sortir, vous voyez ça là, et faire le plein du haut. Je vais également monter d'une case les tuyaux, vu que là ils sont un petit peu trop bas et ils bloquent partiellement la foreuse qu'il y a ici. Et comme ça, je vais pouvoir éjecter la terre là, qui va passer dans un tapis roulant, qui va aller jusque là-bas. J'aimerais également faire une pente, donc vraiment une petite route qui descend. On va voir ce que l'on peut faire. Et je vais doubler cette fois-ci pour de vrai l'exploitation. Alors, j'ai un petit problème, c'est pour ça que ça râle un petit peu. Ah, vous pouvez voir que là-haut, ça se bouche un petit peu. J'ai quelques soucis et je comprends pas trop le problème, pour être franc. Alors, je vais essayer déjà... Oh, encore la même chose. Ouh là là, ok, alors, si je retire ça... Ok, alors on va retirer. J'ai l'impression que ça pose problème, donc je vais te laisser là. Et ça a l'air de fonctionner top sans le... Ouais, j'ai l'impression que j'aurais plus les mêmes problèmes qu'avant. Donc on va laisser... Oh, il va falloir refaire. Bon, je vais déblayer là. Alors mon problème, c'est le fer, et je ne comprends pas ce qui se passe ici. J'ai... Ouh, ok, attends, on va te mettre là. Non, toi, tu peux rentrer. Attends, est-ce qu'il y a trop de fer dedans? Regardez, vous voyez, ça ne veut même pas tomber dedans. Regardez, ça veut plus rentrer. J'ai rempli. Non, non, ça peut rentrer encore dedans. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que ça m'a fait ce bug? Il y en a qui veulent pas aller dedans et il y en a qui veulent bien. Non, mais c'est quoi ce truc? Bon, alors on va devoir tirer tout ce qu'il y a là-dedans. Oh, oh. Wow, 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 wow. Il m'a explosé la tête. Ok, je vais casser les... Non, je vois même plus. Là, ça rentre dedans. On les entend. Le pchut. Ok. Voilà. Je pense qu'il y en avait juste trop d'empilés. Allez, il faut essayer de les faire rentrer là-dedans. Mais. Oh, mais c'est quoi cette histoire? J'ai jamais eu ça. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a qui sont coincés là. Oh là là, il s'est regardé. C'est peut-être quand il y en a trop qui tombent d'un coup, ils se bloquent entre eux. Je comprends pas trop. Bon, je vais essayer de régler ce problème. Voilà, je crois qu'il y avait quelque chose qui bloquait dedans. Alors, attention, ça risque d'être... Il me faudrait également le meilleur aimant. Il y en a un de meilleure qualité. Alors, bon, c'est parti. Oh. Allez, allez, monte, monte. Waouh. J'ai l'impression que c'est un élémentaire qui s'assemble. Ouais, ça doit être plein. Alors, si je fais la même chose, la loupe est là. On va la ranger. Voilà. Oh là là, le fesse dans ce... Dès le début, voyez, on commence déjà avec une folie. Alors, si je vide, toi. Voilà. Est-ce que maintenant, je peux me servir de ça pour remplir? Alors, j'ai coupé. Hein. J'ai coupé temporairement l'installation parce que... Voilà, quoi. Alors, on va essayer de te mettre là-dedans. Et on va voir si ça va rentrer. Est-ce que c'est une question? Ouais, là, ça rentre partiellement à l'intérieur. Alors, je vois qu'il y a des gemmes bleues également. Mais bon, là, c'est pas le moment de prier. Je peux... Ah, oh là là. Oh là là. Bon, toi, on va te mettre là. La petite bleue va ici. Mais c'est quoi, cette histoire? Et là, oh là là, la terre encore. Eh, mais j'ai des problèmes, là. C'est quoi qui se passe? C'est parce que ça rame. Et donc, tout bloque. Oh, purée, c'était... Difficile, en fait j'ai compris le problème, il y avait une pépite d'or ou... Je sais plus si c'est une pépite d'or ou de la terre à l'intérieur. Ce qui bloquait en fait le reste. Donc ouais, là c'est bon, c'est reparti. J'ai remis ici le minerai rare, alors je vais voir là-haut. Je me dis, je vais peut-être mettre à nouveau la barrière. Alors ça c'est moi qui ai posé pour filtrer. On va te mettre là, je vais remettre les autres. Ah, je me dis, je vais peut-être mettre la barrière là, toi. Également, ici. Et où est ma tôle? Là. Ah, pas te mettre. Si, je peux te mettre comme ça. Alors, on va te poser là. Voilà. Ça devrait tomber dedans. On n'a plus le problème de l'entonnoir. Le plus gros morceau vont pouvoir aller dedans. Oh, c'est spécial, hein. Eh bien, on va relancer et on va voir ce qui se passe. Alors, je vais te remettre là. Pam. Et c'est reparti, parce que j'ai de grands projets et je peux pas m'attarder sur ça. Alors. Ok. On tend, ça a l'air réglé.
Oh là là, ce bordel. Bon, allez, je vais préparer, je vais faire quelques achats. Et préparer... Qu'est-ce qu'allons-nous faire, là? Allez, on va faire la deuxième rangée, là. Alors, je pense que je vais m'y prendre de cette façon. Je vais rajouter, vous voyez, deux rangées avec un chemin au milieu et les tuyaux qui vont passer sur le côté. Et je vais doubler après, plus tard, celui-ci. Donc ça, ça va être pour le nouveau. Et je vais le mettre sur un nouveau réseau de tuyaux. Vous me demandez souvent de... comment dire, de mettre d'autres pompes. Alors je le fais pas si souvent que ça, ouais, là j'ai une nouvelle pompe et une là-bas, parce que là-bas il n'y a pas besoin de filtrer, mais je ne fais pas par exemple une pompe par machine, ce genre de choses, parce qu'il me faut rajouter les filtres pour que l'eau soit pure et que les machines ne s'endommagent pas. Sinon je vais devoir réparer toutes les machines en permanence, alors que là j'ai juste besoin de réparer de temps en temps les filtres. C'est pour ça que je ne multiplie pas les réseaux quand j'en ai pas besoin. Je préfère largement mettre un lingot de cristal là-dedans qui dure super longtemps plutôt que de devoir venir toutes les 5 minutes réparer des machines. Bon, alors avec cela, maintenant que j'ai fait ça, il va falloir connecter en tuyau. Donc on va mettre une pompe et il faut que je trouve quelle est la source. Et là, j'ai un petit problème de fluidité. Et je sais pas pourquoi, pourtant je n'ai plus de gemmes partout. Si, je fais ça. Ah oui, je peux pas le faire parce qu'il faut réactiver, c'est vrai. On m'a dit de mettre une pompe juste pour ça. Ça serait pas bête, effectivement. Je pourrais mettre la pompe là, ça ne changerait pas grand-chose. Ah ouais, c'est une bonne idée. Je vais voir pour cela. Bon, alors, ouais. Bah maintenant, il me faut plein de cubes. Il me faut... Alors, les Goliaths, j'en ai normalement suffisamment. Là, je peux pas facilement les poser. Genre, je te mets là. Les Goliaths, c'est les David, pardon. J'en ai suffisamment, ça m'a coûté une fortune au passage. Ok, et je vais continuer. Mais maintenant, il me faut des blocs. Et je n'en ai plus. Ok. Comme d'hab, j'arrive pas à maintenir un projet à la fois. Donc là, je vais faire en même temps la rampe. On va voir comment ça va se passer. Et alors, vraiment, c'est... Tout à l'heure, ça a bugué. Enfin, j'étais à 30 FPS. Car j'avais trop de choses dans le coffre, tout simplement. Je suis passé de 30 FPS à 150 FPS une fois que j'ai retiré les quelques machines dans le coffre. Donc, pour dire comme quoi... la physique n'est pas complètement figée quand les objets sont à l'intérieur. Un petit peu bizarre, je suis sûr qu'il y a moyen d'optimiser ça un petit peu mieux, le développeur. Une fois que c'est figé dedans, ça devrait plus être géré par le moteur du jeu. Et je pense que ça libérerait pas mal de puissance. Et par contre, ouais, enfin de puissance sur le PC. Par contre, c'est pas pour dire, mais purée, hein, toujours, ce jeu me fait tellement espérer que le multijoueur va être disponible un jour, même si je sais que ça va pas être le cas, hein, parce que... faire les courses à plusieurs serait tellement plus simple que revenir avec une quarantaine de blocs et tout. C'est ouais, bon, voilà. Bon, alors là, je vais reprendre. J'ai posé maintenant les David. Donc, je vais remettre de là les gemmes. Les lingots de gemmes. De cristaux, plutôt, pardon. On va te poser là-bas. J'ai posé mes 5. Donc, je vais faire une autre ici. Donc, je vais... j'ai normalement... Okay, on peut même maintenant avancer là-dessus. J'ai tellement de choses dans le coffre que le véhicule penchait en arrière. Et c'est pas une blague. Je sais pas si c'est à cause du poids ou quoi. Mais il penchait en arrière et il commençait à bugger méchamment. Donc j'ai dû bricoler pour le ramener jusque-là. Oh purée, il y a sous ces blocs la valve. Le tuyau avec la valve. Bon, donc ce que je vais faire, c'est là. Puis après... Je vais venir par là. Ouais, par derrière. Pam, on va raccorder comme ça. Puis, je peux faire la même chose ici. Et hop, hop, hop. Ça serait pas mal. Il va falloir quand même un ou deux trucs qui augmentent la... Ouais, il va falloir quand même un ou deux trucs qui augmentent la pression. Et je ne sais pas comment je vais peut-être raccorder sur un autre réseau, ceux de là-haut. Mais pour être franc, je sais pas si c'est nécessaire. Ce serait peut-être mieux de tout mettre sur le même. C'est plus simple pour gérer avec les compresseurs. Ouh, ce n'est pas évident, mais les choses progressent. Alors, regardez-moi ça, c'est presque complètement pavé. Je pense que j'ai trouvé, je pense, un moyen pour faire la pente. Mais je pense que je vais devoir la faire comme ça. Donc, je vais devoir creuser... un petit peu vers l'enfin, on va voir. En tout cas, donc là, on a déjà les machines. J'ai mis ici une pompe parce que je me suis rendu compte que ces machines-là n'ont pas besoin d'être réparées.
Et même chose, j'ai mis une pomplace en filtre, car les David n'ont pas besoin d'être réparés non plus. Alors, est-ce que j'ai reposé ma... Ouais, là, ici. Donc, vous pouvez voir, quand une machine peut avoir besoin d'être réparée, il y a un chiffre sur le manche de la loupe. Donc, vous voyez, là, on est à 100. Ici, on est également à 100. On peut regarder les filtres. Purée, c'est bien compliqué. Les filtres, là, sont à 92, 90, etc. Tandis que les David, eux, n'affichent pas de chiffres. Donc, ils n'ont pas besoin d'être réparés. Donc, j'ai pas besoin de connecter à une arrivée d'eau avec filtre. Donc, direct, hop, ça va être plus simple, ouais, de faire tac, 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 tac. J'ai pas mis non plus de compresseur. Je vais voir plus tard si on en a besoin. On va voir si c'est trop lent ou autre chose. Bon, toi, on va te reposer. Ici, voilà. Et en attendant, purée, c'est le bordel. Il va falloir que je fasse des étages, vous voyez, pour pouvoir me balader là-haut plus facilement. J'ai déjà commencé là à faire un chemin. Je vais mettre également sur le l'eau là du pavé pour pouvoir me déplacer sans avoir à sauter par-dessus les tuyaux, ce qui est un peu embêtant. Mais bon, pour le moment, c'est du bricolage parce que c'était long là. Oh là là, qu'est-ce que c'était long. Donc normalement, ça est connecté. Là-haut est connecté également. Donc là, ce que je voudrais, c'est prendre... Alors, on va prendre, hop, voilà, je vais le mettre là et je vais commencer à le diviser et à les distribuer dans les machines. Ouais, ici, et je vais prendre la scie. Alors, la voici. Par contre, ça demande du temps, hein, du boulot, c'est incroyable. Alors, 1, 2, maintenant on fait celui en dessous, 4, est-ce que je peux diviser un peu plus, ouais, chacun. 1, 2, hop, et toi, voilà, oh oh, faut vraiment que, zut, faut vraiment que, alors j'ai commencé à, voilà, j'ai commencé à fixer les choses avec le marteau, mais ouais, j'en ai pas mis fait assez, alors, pam, donc toi, regardez ça, attends, j'ai envie qu'il tombe plus tard, voilà, pam. Allez, ça. Tac. Non! Je vois ce que j'ai bien mis. Non, je l'ai pas bien mis. Ah, il faut vraiment que le clou, lui. Parce que clairement, c'est là que je vais. Ok, non, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Bon, je vais faire la même chose pour le reste. J'ai mis un paquet. Peut-être un petit peu trop de. Compresseur et tout. Voilà. Et avec ça, c'est normalement le dernier. Parfait. Il me reste encore deux lingots de cristaux. Je vais les laisser là, de cristal. Je vais les laisser là pour le moment. Et non. Ouh. Ça a déjà commencé à me faire. Ah oui, parce que j'ai pas mis de. D'accord, j'ai pas mis de valve ici pour couper. D'accord, je viens de comprendre. Ouais, bah peut-être falloir faire une valve parce que je sais pas ce que ça a donné. Et ça utilise du cristal, je suppose, pour rien pour le moment. Ici, il y a bien la valve. Ok, donc je pourrais allumer. Et alors maintenant, il faut mettre les tapis roulants. Et oh là là, ça va être la misère parce que accéder à là-haut est pas terrible. Je vais devoir également, je pense. Quoi, ouais, je vais devoir quand même péter un petit peu, ouais, d'accord, bon, on va chercher la pioche, et on va faire le mineur, bam. Ouais, beaucoup de boulot, hein, avoir quelque chose qui fonctionne, ça demande pas mal de boulot, alors, hop, ouais, tac, quand même retirer les petits morceaux de terre qui dépassent. Ça m'a d'autres, mais c'est pas grave, et hop là. Bon, ça devrait pas être trop long. Alors, j'ai un petit problème parce que je n'arrive pas à faire les connexions de tuyaux ici, vous voyez, pour faire la ligne. En fait, le but est de faire passer, vous voyez, la terre aurifère là-bas. Elle revient là, elle fusionne avec ses tapis et ça va tomber là-bas. Donc, je vais avoir deux fois plus de machines connectées à cette station de triage que l'autre, mais je vais pouvoir corriger là-bas. Le problème, c'est que, vous voyez, là, j'ai pu connecter ce tuyau grâce à la connexion qu'il y a derrière. Je ne peux pas là... Parce que j'ai cette machine ici. Donc je vais devoir être un peu plus créatif. Et je vais en fait poser ça. Vous voyez, comme ça. Le tuyau est en fait, vous voyez, du côté là. Bah tiens, je vais le poser, hop. Le tuyau est là. Et il ressort de l'autre côté. Hein. Donc je vais pouvoir connecter ça comme ça. Je vais vous montrer.
Ah là, comme ça l'eau va arriver, puis ça va passer là, ça va tomber. J'espère que ça va fonctionner du côté là. Et ici, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un T. Comme ça, les deux là vont être alimentés en eau, en pression, par ce tuyau là. Je pense pas que ça va être une grosse perte pour cet endroit. Et du coup, ça a marché. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre que des tapis. Hop, comme ça. Il me faudrait un qui me permet de tourner là, ça serait le top. Peut-être toi. Je sais pas si celui-là c'est du bon côté. Hop. Oui, c'est le bon. Parfait. Ah, génial. Génial. Et donc, il m'en faudrait un autre pour là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tapis roulants standard. Ben, ça me permet de vider un petit peu ce que j'ai là. Parce que là, j'en ai un paquet. On m'a demandé de nettoyer la zone. Ben, là, je vais pouvoir le faire. Alors, je suis toujours en train de faire des courses pour acheter tous les tuyaux et tout ce qu'il me faut pour mon installation. Et je viens de voir et j'ai raté ce type de tôle. Alors, j'étais pas satisfait de l'autre type, vous voyez celui-ci, car la pente est trop raide. Donc, je vais m'en débarrasser. Ok. Et l'autre que j'ai trouvé, il y en avait une autre qui est encore plus raide. Je me rappelle plus où elle est. Enfin, je la vois pas. Ou alors, j'ai halluciné. C'est possible que j'ai halluciné. Mais celle-ci... Ah, ouais. Celle-ci devrait faire une bonne descente. Non, on va en prendre une dizaine pour le test. Allez, hein, ça coûte pas cher. Donc on va en prendre une dizaine à peu près, hein, je les compte pas. Et je vais rentrer avec ça et on va voir si je peux faire une belle pente. Allez, on va voir ce que ça va donner. Hop. c'est par ici, c'est par là. Ouais, ça a l'air d'être à peu près. Ouais, on va avoir des soucis à cause. Ouais, il va falloir me poser là. Mais je peux quand même peut-être démarrer si je te mets plus haut. Non, il faut que ce soit là. Il faut que ce soit à ce niveau-là. Ouais, comme ça. Et il faut descendre. Ouais, c'est une bonne petite... le problème... Le problème, c'est que la pente est quand même moins raide que celle-ci. Et il faudrait arriver de là-bas. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut prendre un peu de distance de là? Je pourrais mettre ici. Et aller vers là. Donc, il faudra abandonner l'entrée là. Bon, c'est peut-être un projet pour après. Peut-être un projet pour après. Je retourne quand même... dans ma grotte. Oula, petit freeze. Hop. Attention à la tôle maintenant qui est posée là. Et on a... Oh, j'ai des choses partout. On a une installation à terminer. Ah, c'est quand même classe hein, d'avoir du béton partout. Ouh, juste là. Ok. Ah, pas grave. Ah, du coup, ouais, il me faut un dernier tapis. On va voir ça là-dedans. Hop. Et je crois que le haut devrait être bon. Voilà. Bon. bon. Comment alimenter les tapis? Ça, c'est une question, mais ce n'est pas tout. Maintenant, il me faudrait mettre une foreuse là. Et la connecter. Je crois que c'est tout. Hein. Oh là là, j'ai dû... tout décalé d'une case car je ne trouvais pas de solution pour connecter ici parce qu'il y avait vous voyez le David était sous le tuyau, donc ça a été super long. Hop, ça quand on planifie mal. Alors hop, voilà, il faut arriver à le poser. Il y a le c'est allez, je cherche le bon endroit. Oh. Ah voilà, fouf. Ok, connexion faite. Pam. Pam, parce que je peux pas le connecter à celui-là vu que celui-là n'a pas de filtre, vous voyez. Donc ça a été... Hop. Attends, on va te poser là. On va trouver un endroit parce qu'il y en a tellement. Voilà. Ouf. Ça a été un petit peu long juste pour une case, hein, parce que j'ai dû repositionner tous les tuyaux, tous les compresseurs, tous les David, toutes les... tous les Goliaths, donc c'était quelque chose. Bon, alors avec ça, ça est connecté. Alors je viens de mettre une pompe là, pour également là, la pompe est directement connectée là. Par contre, j'entends du bruit. C'est la pompe?
Ouais, cette pompe fait du bruit, je sais pas pourquoi. Vous entendez? Pourtant, il n'y a pas de sortie d'eau. Bon, c'est pas grave, pour le moment, on va laisser... où est-ce que j'ai mis... Ah, là. Hop. Il fait ce bruit. Ah, je crois que c'est bon. Pff. Ok, connecté. Connecté. Ça est également connecté. J'ai mis les bouchons. Toi, tu devrais être fonctionnel. Je me rappelle plus si j'ai besoin de l'allumer manuellement ou pas. Non, c'est bon. Ok, t'es connecté à là-bas. Ouf, là-haut, on est également bon. Est-ce que j'ai tout bien remis? Ouais, ouais. Alors, l'ouverture. Où est-ce que t'es ouvert? Ouais, toi, t'es... Ok, là, maintenant, je vais t'ouvrir. Ok, pour qu'il fonctionne. Ensuite, toi. On va t'ouvrir. Il y a un problème quelque part. Ça, j'ai vu la terre qui remonte. Ici. On va vous ouvrir. Le Goliath... Les Goliath ne démarrent pas. Donc il y a un problème à un niveau, peut-être pas assez de pression. Donc, il y a une possibilité. Allez, laisse-moi passer. Et donc ceux-là sont connectés par lui. Donc on a toi. Je sais pas quel niveau de pression. Si, est-ce que c'était mal? Non. Donc il faut sûrement plus de pression. Le problème c'est qu'on ne peut pas mettre verticalement les trucs qui donnent de la pression. Ils doivent être horizontal. Ah bah ouais, si j'oublie... Si j'oublie de les allumer, ça ne risque pas de démarrer. Bon, avec ça... Hop, laissez-moi passer. Maintenant, du côté là, faut vraiment que je mette de la lumière là. Hop. 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 Bon. On rallume. Ok, ça a tourné, mais ça s'est arrêté instantanément. Ah, ok. Non, c'est que ça a tourné déjà. Non, le problème, c'est les tapis roulants. Donc, je vais couper. Parce qu'apparemment, je n'ai pas alimenté les tapis roulants. Mais ça, ça va pas être trop gênant, vu que j'ai pas besoin d'eau purifiée pour eux. Je pense... Ouais, 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 ok. Et on est bon, alors j'ai juste dû inverser le sens des trieuses, car elle n'était pas dans le bon sens. Du coup, les gemmes et les minerais vont tomber là. Ça m'embête un petit peu. Je voulais que tout tombe, voyez, là, et que je me balade et que je ramasse les tout. Alors là, il y a du bordel parce que du coup, j'ai fait tourner dans le mauvais sens. Donc ça s'est empilé un petit peu. Il faudra trouver un moyen de régler cela. Mais bon, déjà, je vais voir si le tout fonctionne, ce qui n'est même pas une garantie. Si ça fonctionne, je peux après essayer de déblayer un petit peu. Donc on t'allume. On t'allume. Hop, on va essayer de rentrer, puis j'ai quelques problèmes de perf avec toutes les gemmes par terre. Alors, on va grimper. Hop. Hop, donc là, le côté n'est pas activé, c'est normal qu'il ne fonctionne pas. En bas. Ah, ok, bon, ça a l'air de venir là. Ok. Ça, c'est le rare, là, c'est l'or, là, c'est le fer. Là, c'est les cristaux. Et là, on a les gemmes. Parfait. Ah, alors, j'ai un petit problème au bout, faut couper. Voilà. Et ça fonctionne d'enfer. Alors maintenant, j'aimerais retrier ça. J'ai normalement un autre... J'ai acheté un meilleur aimant. Ah, le voici. Tu vois, c'est celui de qualité supérieure. Donc, faudrait essayer de le... il a un meilleur rayon d'action. Faudrait essayer de le remettre tout au début. Je sais pas si ça a fonctionné. Ouais. Et essayer de remettre tous ces minerais, toutes ces gemmes. Ces cristaux dans là dedans. Alors on voit que dalle, on voit vraiment que dalle. Là. Je crois que ça a quand même fonctionné. Donc on va refaire un essai petit à petit. Je pense que je vais tous les virer. Alors j'espère qu'il y en a pas qui tombent par erreur. Ok, ok, bon bah ça là vraiment. Va falloir que je vienne... C'est peut-être juste une autre. Ah, t'es pas bien dedans, en fait. Mais... Qu'est-ce que fait? Pourquoi soudainement? Ok. Allez, on reprend le tout.
Alors, le problème, c'est que vous voyez, c'est que quand j'active l'aimant, ça attire que ce qui est autour, en fait, au moment... Ah, ça, c'est des mauvaises gemmes là-dedans. Je les fais sortir. Ça n'attire que ce qui est autour au moment où j'appuie sur le bouton d'astruc. Allume. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Il y a un problème. Bon. Bon, je vais essayer de continuer à nettoyer. Voilà, c'est nettoyé. Ça n'a pas été évident, mon pote. Je te remets ici. Et je ne comprends pas trop ce qu'il se passe avec les gemmes. C'était pas un pro... Est-ce que ça a été patché? C'était pas un problème que j'avais précédemment. Oui, les gemmes ne rentrent plus à l'intérieur. Elles ne se stackent plus à l'infini comme avant. Ce qui est un tout petit peu embêtant. Regardez ça, voyez là. Je te remets là. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Bon. Alors, on va rallumer du côté là maintenant. Une petite perle, une petite perle, une pépite. Ce côté-là se rallume. Ouh, oui, ça. Ok. Alors. Oh. On va te prendre, on va te poser. J'espère que j'ai rien cassé du côté là. Regardez, là, ça va bien. Bon, il y a un petit peu de choses coincées. Ça, c'est dû au rechargement. Mais alors, c'est vraiment dommage que les deux ne tombent pas du même côté. Ça, c'est, vous voyez, pam, ça aurait été vraiment excellent. Un petit peu déçu. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui arrive. Ah si, ça arrive. Mais c'est super lent. Et ça, c'est de la terre. Pourquoi de la terre est arrivée au bout? Ah oui, j'ai oublié de mettre la barrière. Voilà, ça devrait empêcher la terre de se ramener jusque là. Bon, pour le moment, tu restes là-bas. Et ouais, regardez, j'ai pas du côté là. Le problème que j'ai là avec les gemmes, c'est quoi cette histoire? Allez, je peux les rajouter là-dedans? Ouais, ça va dedans, mais c'est quoi ce truc? Il y a une différence entre les deux? Je comprends pas trop là. Allez, je peux prendre ça et je peux le mettre là. Et ça s'empile à l'infini. Et là, non. J'ai cassé le jeu ou... Je peux sinon prendre ça et les mettre là et... Et refaire quelque chose de zéro. Ah, il y a de la terre. Il y a de la terre à l'intérieur, ça doit être ça. C'est vraiment au millimètre près là pour la ramasser. Même en ayant retiré la terre. Ah, il y en a d'autres encore de la terre qui s'est ramenée dedans. Mais c'est incroyable. Tu sors d'où? Il n'y en a pas d'autres? Normalement, il ne devrait plus en avoir qui passe. Là, je pense... je comprends pas trop. Alors, merde. Plein de ressources. Bon, ça, c'est bloqué, c'est pas grave. Ça arrive là et ça continue de tomber. Bon, ça sera à éclaircir une autre fois. Peut-être en chargeant, ça va régler le problème. Toi, pourquoi t'es pas allumé? Ah, on va remettre des poteaux d'éclairage, là. Ici, ça continue d'en faire, ça continue de déposer. Bah voilà, on a un super système. Ouh, va me falloir mettre peut-être des rambardes le long des guides. Parce que, ouais. Parfait, regardez, ça vient là. Et ça fait cette histoire. Je vérifie, il n'y a pas de terre à l'intérieur à nouveau. Non, il n'y a pas de terre. Alors pourquoi? Si vous le savez, dites-le moi, je suis bien curieux. Et là, on va s'attaquer un petit peu au garage maintenant. Mais avant, je vais placer le lit. C'est vrai que j'ai dit que j'allais le faire. On va retirer la table. On peut la mettre à l'extérieur pour le moment. On va mettre la table là.
Elle est un peu haute comparée aux fenêtres, mais bon. Et on met le lit ici. Et donc là, on passe la nuit. Est-ce que... Voilà. Parfait. Je vais juste devoir... Ouh. C'est moi, maintenant ça rentre bien. Non, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Super. Ah, il y a une fuite d'eau là-bas. Bon, je la réglerai plus tard. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de pression de l'autre côté. Ça sort... Il y a beaucoup de terre qui sort là. Mais... Enfin, de minerais qui sortent là, mais pas aussi vite que l'autre côté. Donc, à mon avis, les foreuses ne travaillent pas assez vite parce qu'il n'y a pas assez de pression. C'est vrai qu'il y a deux fois plus de foreuses du côté là-bas, donc forcément, ça ralentit les choses. Alors là, ce que je veux faire, c'est continuer dans la direction là et me faire une petite place de parking. Et là, ce que l'on va devoir faire, c'est que je vais devoir passer un paquet. Faire un tour avec... Ok, on va le faire maintenant. On va prendre toi. Oula. T'es pas placé au meilleur endroit. Est-ce que je peux sortir? Parfait. Ah, alors oui. Je vais être bloqué. Avance, s'il te plaît. Je vais être bloqué par le haut. Je crois. On va quand même essayer, voir... Au plus bas. Peut-être un peu plus haut. Ok, je suis bloqué, ouais. Bon, alors, je vais devoir faire passer le tuyau en dessous. Et ressortir là-bas. Donc, va falloir retirer... Ah, ceux-là, je les ai bloqués. Donc, va falloir retirer ceux-là. Alors, j'ai tiré le tuyau en dessous, mais apparemment, l'eau ne sort pas. Si on n'est plus dans la parcelle. Vous voyez, là, on est dans la partie hors de la parcelle. Donc, j'ai quand même pu poser le tuyau. J'ai bien fait la connexion tout le long. Et ça ne veut pas sortir de l'eau du côté là. Donc, je vais devoir trouver une autre solution. Alors, on va quand même retirer ce qu'il y a là-haut. Hop. Là. Côté performance, le jeu a de plus en plus de mal. Hein. Mon ordinateur, ou les deux. Hop. Donc, ça, on va les poser là. Maintenant... Alors, on va en ligne droite. Je veux pas creuser un trou pour le moment. Là. Et... Oh, oh. mais bien sûr, pourquoi pas. Ok, alors, ouais, non, je suis juste à côté. Ah, c'est peut-être à cause du sol. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je veux pas... Allez, on va refaire ça. Pam. Finalement, c'est bien pratique. Ça, et pas seulement si on est coincé. Bon. Alors, problème, c'est que là, c'est pas du destructible, je pense. Donc... On va poser là. Je vais bientôt être à court. Voilà. Donc on va tourner vers ici. Encore un petit peu plus loin. Faire avancer un petit peu plus. Et peut-être mettre des places de parking là. Puis après faire le tour, vous voyez. Et revenir à la route. Je veux faire le grand tour parce qu'à un moment, je vais complètement, je pense, retirer le plafond de la grotte et faire un toit ou quelque chose du genre. Le système de pour faire le plein, on va devoir attendre. Je ne sais pas comment je vais le faire. Bah, je vais faire ce que j'ai dit avant, à le décaler d'une case. Ou alors, non, le laisser tel qu'il est. Et en fait... J'ai pas besoin de verser le contenu du véhicule. Au même endroit où je fais le plein, je peux juste avancer d'une ou deux cases et balancer au travers de ça. Vous savez, quand on est dans le véhicule, alors si je me rappelle bien, c'est quel bouton? C'est le bouton E. Regardez. Poum. Voilà. Donc je peux faire ça en faisant un trou là. Putain, balancer la terre. Ça va le ramasser avec des tapis roulants. Et on va avancer. Tout le long, et je vais le faire descendre par un trou, un niveau là directement, un petit entonnoir, un trou, et pam, ça va tomber, c'est arrivé là. Alors, ce que je veux vérifier, un peu de blocage là, oula, là, doucement. Ok, alors,
là. C'est pas grave ce qu'il y a là. C'était peut-être avant quand j'avais les autres problèmes. Donc ça s'est relancé. Eh, oh purée, je vous dis pas le temps que j'ai passé sur ça. C'est tout bête, hein, mais j'ai dû faire plein de... Je suis pas un bon ingénieur, vous voyez, j'ai du mal à planifier à l'avance. Donc j'ai dû faire plein de nouvelles essais, ce genre de choses. Et oh là là, c'est terrible. J'ai placé un endroit, puis je décale d'une case, puis je remonte, puis je dois trouver un moyen de connecter le tuyau qui est bloqué par une foreuse ou une trieuse, puis après je dois trouver autre chose. Alors, ok, toi, on te remet à nouveau. Hop. Oh. Ah, j'ai ramassé un tuyau. C'est pas bon. Ok, alors le tuyau bloque quoi? Le bloc, il bloque. Ok, c'est celui-là. Oh là là. Ouais. Alors, je sais comment le reconnecter. Bon endroit. Voilà. Bon. Et alors, si vous savez ce qui se passe avec ça, je suis bien curieux. Parce que regardez, là, il n'y a pas de problème. Et là, il y en a plein. Et je sais pas c'est quoi. Donc, un autre problème à régler là. Peut-être retirer l'engin et le remettre. Ou alors, peut-être un reload réglera tout ça. Et ben, dans le prochain épisode, on va... Je sais pas encore ce que l'on va faire. Oui, on va faire dans le prochain épisode. On va faire la descente. Je vais essayer de la faire venir de là, dans la cave, avec la tôle. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. C'est un autre épisode. Bye bye.